Salut, aujourd'hui je me trouve dans les stands du MRCB et j'ai la chance d'avoir rencontré David avec sa Infiniti IF18. Alors c'est un modèle 1 qui a été transformé, qui a évolué en IF18-2 Infiniti. Ah, ça, c'est les trucs champion de... team, hein. On sait que ça, ça vient de gagner le championnat du monde en piste 1/8. La voiture est magnifique. Waouh! Alors on va regarder en détail ce châssis. C'est la première fois, je vais le découvrir avec vous. Allez, on lève la caro et on regarde le châssis. Déjà juste sur la caro, il y a un aileron façon carbone. Waouh, superbe. Alors la voiture, on la découvre ici. Voilà, une piste 1/8 de toute beauté. Alors bon, on va commencer par les choses simples ici, les roues, mousse, on peut choisir le short, attache rapide bien sûr. Voilà, Infiniti, magnifique, hein. Il est renforcé ici. Les plots alu. Alors sur ce modèle, on va découvrir des pièces options. Ici, la roue libre avant, on la voit. Alu en option. Toute la transmission ici. La courroie évidemment, palier central, courroie latérale. Ici, on découvre une petite cale qui permet de diriger la courroie pour éviter qu'elle bouge sur les côtés, qu'elle sorte. C'est astucieux, c'est une petite option qui a été montée. Voilà, sur l'arrière, ici, on retrouve. Ouais, alors il y a des pièces carbone, de renfort châssis. Beaucoup de pièces ici carbone pour venir renforcer la structure de la voiture et le châssis. Voilà, tout le platine full carbone. Sur le train avant, il y a ces options ici là. Voilà, ce sont des pièces alu qui viennent tenir les triangles supérieurs qui sont relativement fins, hein. Mais des pièces de toute beauté. Voilà, on voit les aluminiums avec un petit fraisage ici, c'est magnifique. Voilà, train arrière, barre anti-roulis, montée sous roulement, beaucoup de pièces carbone sur le train arrière également. Et boîte de vitesse, c'est du modulant, hein, ici. Magnifique. Partie radio, une petite boîte radio avec le récepteur, des cerveaux SRT, le 9022 au gaz frein. Et à la direction, on a un cerveau, c'est le même, un SRT en low, un court, voilà. Et le châssis, il est beau aussi. Voilà, alors après, on va découvrir la plaque châssis. Waouh, 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 waouh. Ici, on a la possibilité d'y rajouter des pièces lestées, en laiton, je suppose, qui se fixent dans les emplacements. Il y en a un ici, il y en a un ici. On a un fraisage pour l'allègement du châssis sur la partie arrière, ici, avec courroie apparente. Et on a ici des saignées sous le moteur pour un refroidissement optimum de la partie moteur. Ça, c'est pas sur tous les châssis. C'est assez original et ça doit être hyper efficace. Voilà, alors on retrouve ici une plaque sur laquelle on vient fixer la Q de réception et la LiPo 7.4 qui est, on va le voir de ce côté, positionné exactement sous le réservoir. Ça permet effectivement d'avoir des centres de gravité hyper bas et centrés sur la voiture. Voilà. Découverte de cette Infiniti IF18-2. Une pièce waouh, magnifique. Alors on a hâte de l'avoir roulée. On va faire quelques réglages du châssis et peut-être on aura l'occasion de l'avoir roulée aujourd'hui. Voilà, et on va finir sur la motorisation. Ici, il a un moteur, le chrono.
21 ici, on voit ici, il doit y avoir des pièces rossies encore à l'intérieur, ouais. Puisqu'on a le logo de la firme. Voilà, un coup de piste et un réseau Reds, le TQ Tuned. Pour les essais d'aujourd'hui, la petite, la petite sécurité sur le pot, c'est une pièce Mugen ça ouais, et les courroies, ça j'adore, Infinity, elles sont marquées, toutes les courroies sont neuves, marquées Infinity. Voilà, pour la présentation, alors ouais, les amortisseurs, hein, c'est du classique, full alu, quelque chose de beau. Voilà, on va remettre la carrosserie. Voilà, en blanc comme ça, c'est waouh, superbe. Infinity F18-2. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.